Welkom bij de persbabbel na de wedstrijd Lierse-Gent in de play-off 2. Gewonnen door de thuiswedstrijd met door de thuisploeg met 1-0. Van commencer avec notre coach qui nous visite aujourd'hui, monsieur Rednic. Vous voulez donner votre analyse de ce match? Non. La vie de ce match, c'est un match que t'es équilibré première mi-temps. Pas de grande occasion, c'est toutes les deux équipes bien organisées. Nous, on n'a pas eu une seule occasion dans la première mi-temps. C'est difficile, mais c'est équilibré. Ni notre adversaire, ils n'ont pas arrivé de créer les dangers. Deuxième mi-temps, on n'a pas bien commencé les 20 minutes. On a manqué un peu de présence dans le milieu de terrain. L'adversaire, ils ont dominé le milieu de terrain. C'est dommage que, on a pris un but sur un long balle de 60 mètres. On était surpris en deuxième zone. Et comme j'ai dit aujourd'hui, c'est la qualité de la valeur d'un joueur, c'est l'Ossada qui a fait la différence. Après que les changements que je fais, notre jeu il était plus offensif. On a eu deux occasions, même en but, mais je ne sais pas s'il était valable ou pas, mais s'il n'a pas accordé, peut-être c'était hors jeu. Le gardien qui a sauvé. Après, c'est un match parce que je suis, comment dire, un peu déçu parce que cette semaine, après le premier match contre Ostende, on a beaucoup parlé, on a fait des réunions, on a promis, mais je n'ai pas vu une attitude. Pour ça, je suis un peu déçu de l'attitude de mes joueurs aujourd'hui. Hein. Des paroles, même dans la presse, on fait ça, mais sur le terrain, je ne veux pas leur réaction aujourd'hui. On devait avoir une autre réaction pour gagner ce match. Hein. Ce n'était pas le cas. Ok, merci, monsieur Rednic. Stanley, ook graag jouw analyse van deze wedstrijd. Tja, ik heb bij vlagen en veel vlagen genoten van ons elftal. Van het voetbal dat deze jongens op de mat hebben gelegd. Ja, het is een jong elftal en met spelers die eigenlijk net komen kijken op dit niveau, maar wat ze vandaag hebben laten zien, dat is, dat ziet er goed uit. Ik denk dat we vooral in balbezit dat we heel sterk waren. De eerste helft toch wat meer kansen moeten creëren. We hebben wat halve kansen gekregen, wat kansjes. Maar niet echt in problemen gekomen. Ondanks dat schuilt het gevaar. Je weet dat je veel in balbezit bent en je weet dat, zoals vorige week, dat de counter op de loer ligt. Dat hebben we redelijk goed onder controle gehad. Tweede helft, ja, goed begonnen. Ik denk ook een goede goal gemaakt in de omschakeling. Dan moet je meer uithalen, denk ik. Je weet dat Gent meer gaat komen. En als we wat slimmer zijn, kunnen we eigenlijk misschien er wat meer uithalen. We hebben ook natuurlijk geluk gehad. Hè. Een goede keeper gehad vandaag. Momenten dat we geluk hebben gehad. Een afgekeurde goal. Of het offside was, ja of nee, dat weet ik niet. Maar het was offside. Al met al heel tevreden. Een groot compliment aan de ploeg. En spelers die een trainer bezig gaan houden.